Gascogne Papier est une filiale du groupe Gascogne. C'est la filiale qui fabrique du papier. On est ce qu'on appelle une papeterie. On est basé à Mimizan. On a une capacité de production de 150 000 tonnes de papier. C'est ce qu'on appelle du papier craft naturel frictionné. Donc naturel, il n'est pas blanchi chimiquement. Et frictionné, il a une face lisse qui lui confère certaines propriétés. Gascogne Papier s'inscrit dans une démarche de transition énergétique puisque sa matière première principale est du bois qui est issu du massif forestier des Landes de Gascogne. Ce bois, nous allons le chercher à 70 ou 80 km maximum du site de Mimizan. De plus, dans son process de fabrication, nous avons besoin de vapeur. Cette vapeur est produite à 98% par des énergies non fossiles, c'est-à-dire du bois. Alors, ce qu'on appelle cogénération, c'est en fait une installation de production d'énergie thermique, en général de la vapeur. Cette vapeur est utilisée pour le process, donc pour les besoins de l'usine. Et cette vapeur est détendue, c'est-à-dire qu'on récupère une partie de l'énergie de cette vapeur qu'on fait passer dans une turbine pour convertir cette énergie thermique en énergie électrique. Voilà. D'où cogénération. On génère à la fois de la vapeur pour le process et de l'électricité aussi pour le process. La chaudière biomasse a été investie et installée en 2016 sur le site de Mimizan. Et 3 ans après, en 2019, nous avons installé 2 turbo-alternateurs de 10 MW chacune. Aujourd'hui, ces 2 turbo-alternateurs nous permettent d'être autonomes à hauteur de 55% en électricité sur le site de Mimizan. Un des futurs investissements, c'est la mise en place d'une installation de fabrication de tall oil. C'est la transformation par hydrolyse de notre savon, qui est un coproduit de notre process de fabrication de pâte à papier. Ce tall oil va venir en substitution du fuel lourd, qui est encore utilisé sur le site. Gascogne Papier a lancé un projet de très grande envergure, qui est l'acquisition d'une toute nouvelle machine à papier. Et ce projet aura pour vertu de permettre d'augmenter le volume de papier produit sans pour autant augmenter la quantité de vapeur consommée. Donc grâce à ce projet, on va être encore plus vertueux puisqu'on sera capable de réduire la quantité de vapeur nécessaire pour produire chaque tonne de papier.